Bigot dans le Monténégro. Vit une jolie femme qui lui mise dans l'âme. Elle avait des appâts qui se posaient un peu là et lui pensait tout bas. Elle n'a pas l'air faire sa Sophia. C'est une motée, c'est mon aîné, une motée négrine. À quelle femme divine, sur le derrière elle devant. Elle a un RC, un ergo, un RV, un RC covine. Et l'on voit sur sa poitrine qu'il y a du manteau balcon. Elle dit, je me nomme Mélie, tu caresses près d'ici. J'ai une chambre qui est très propre, tendue en enderie noble. Il répond, y a du bon, comme Mélie est ton nom. Si je reste en panne dans le lit, tu me pousseras à la roue, Mélie. Quand il fut monté chez la montée négrine, il lui dit, oh ma divine, donne-moi des deux bosnies. Alors d'un air zé, d'un air go, d'un air vie, d'un air zé covine, elle répond sans la gamine, prends-les, elles n'ont jamais servi. Mais un turc, tout à coup, entre écrit comme un fou, je veux cette monténégrine, j'en pèse pour sa praline. Et sur le pauvre garçon, va là qu'il fait un bond, et d'un grand coup de latte, lui coupa son nœud de croate. Et tout démonté, le pauvre Michel parti de chez la monténégrine, en faisant une salamine, il s'en revint à Paris. C'est pour vous prouver qu'il faut se méfier de fourrer le nez en Herzégovine avec les monténégrines dans les affaires de Scutari.